Bonjour. Avez-vous déjà été victime d'une alerte numérique, d'une attaque virale sur Internet? Eh bien, moi, ça m'est déjà arrivé, venant de hackers russes. Vous savez, ces Cosaques sous la coupe d'un certain Poutine. Poutine. C'est de l'anglais, ça veut dire « mettre dedans ». Et vous savez que la maxime de Poutine, héritier de Rasputin, c'est, deux points, ouvrez les guillemets, « vous m'avez élu, vous l'avez dans le cul ». Je referme les guillemets. Et donc, un beau matin d'il y a quelques jours, j'ai trouvé sur mon ordinateur une alerte. Attention, votre protection antivirus Avas arrive à expiration. Payez-nous. Et puis en même temps, j'ai vu arriver Lena, une Russe chaude qui habiterait près de chez moi et voudrait me rencontrer. Et puis une de ses copines, Anna ou Moxva. Tout ça, ça m'a un peu alerté et je me suis dit, on cherche à m'avoir. Mais ça a bloqué mon ordinateur et il a fallu qu'un technicien travaille à nettoyer ce qui était bloqué par ce faux protecteur Avast, ce faux Avast. Mais ça peut arriver avec d'autres antivirus que des spécialistes mal intentionnés copient et puis vous font croire que c'est à eux qu'il faut payer une rançon, un rançongiciel. Bon, eh bien, c'est dérangeant ce genre de choses. Peut-être faudrait-il que les pouvoirs publics se saisissent de cette situation où des comptes sont piratés. Bon, moi je ne fais qu'alerter dans le cadre de ma chaîne YouTube et de ma playlist Expression Libre. Heureusement qu'en France, nous ne sommes pas sous un régime dictatorial poutinien. Poutine égale mettre dedans. Et heureusement qu'en été à Toulon, il fait beau et que je peux encore m'exprimer. J'en profite. Je suis content d'être français. En France, je vous dis à bientôt. Merci.